Le prochain défi va vous demander de porter un exemplaire de chaque rouleau de maîtrise en même temps. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir les 4 pouvoirs d'avatar en même temps en une seule partie. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Bien entendu, vous allez pouvoir les trouver aussi posés au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le sanctuaire qui se trouve au-dessus du grand glacier. Donc juste ici, vous allez pouvoir récupérer la maîtrise du vent. Et grâce à ce vent, vous allez pouvoir utiliser la roue aérienne et vous déplacer beaucoup plus vite. Donc maintenant, ensuite, ce que je vais faire, moi personnellement, c'est de me diriger vers le temple de l'eau qui se trouve plus ou moins par ici, à côté de Classicour. Et ensuite, je vais récupérer le pouvoir de l'eau. Quand j'ai récupéré le pouvoir de l'eau, je vais me diriger vers le pouvoir du feu qui se trouve au-dessus de Rebel Roost, donc plus ou moins par ici. Quand j'ai récupéré le pouvoir du feu, là, je vais directement me diriger vers l'île centrale à côté de Restored Reels. Et à cet emplacement-là, je vais pouvoir récupérer le pouvoir de la terre. Et bien entendu, si maintenant je trouve un des pouvoirs sur le chemin quand j'ouvre la carte, par exemple, là, on peut voir que j'ai deux pouvoirs de l'eau. Si là, j'aurais eu le pouvoir de la terre, ça aurait pu m'empêcher d'aller jusque-là pour récupérer le pouvoir de la terre. Mais bon, là, c'est pas le cas. Donc, je vais d'abord récupérer le pouvoir de l'eau au sanctuaire de l'eau, ensuite je vais récupérer le pouvoir du feu au sanctuaire du feu, et ensuite j'irai au sanctuaire de la terre pour pouvoir récupérer le pouvoir de la terre. Et dès que j'aurai réussi à avoir les 4 pouvoirs dans mon sac à dos, donc dans mon inventaire, bah là j'aurai terminé le défi et je débloquerai les récompenses.